scission du parti, les autres sensibilités, les réactions du parti Liarec. La récente déclaration de Vounaïti Jean-Eugène sur l'éviction des deux partis politiques Tambadja et Liarec du groupement Les As n'a pas manqué de soulever des réactions. L'un des deux partis politiques concernés s'est ainsi exprimé ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. Soudja Jean-André, alias Khalid, vient en effet de confirmer qu'il s'est entièrement retiré du groupement politique Les As pour étoffer son propre parti, dont la création officielle vient d'être régularisée auprès du ministère de l'Intérieur. Le CST Khalid martèle ainsi que ni son parti, ni sa personne n'évolue plus sous les couleurs de Les As, et particulièrement pour les prochaines élections. Et en ce qui concerne justement les élections, le CST Khalid a tenu à partager sa suggestion des législatives avant les présidentielles. Dans cette perspective, il souhaite que le président de la transition réunisse toutes les forces vives pour examiner ensemble les modalités de ces scrutins. Le CST, Soudja Jean-André, a profité de cette conférence de presse pour annoncer que le parti politique Liarec, dont il est le président fondateur, participera aux élections en proposant ses candidats à tous les scrutins. Son candidat au présidentiel sera déterminé à l'occasion du congrès national du parti qui se tiendra d'ici peu.